Nous avons la théorie à la droite.
Alors, est-ce que si nous lisons les poèmes anciens, les scriptures en fait, est-ce que les idées de quel poète y a-t-il? Vous connaissez le site, c'est une femme, c'est trop bien. Mais aujourd'hui, qui arrive à faire ça? Est-ce que les noms de tel poète y a aujourd'hui? À vous de répondre. Est-ce que la poésie s'est pratiquée? Pour les hommes, particulièrement pour les femmes. Ce qu'on fait, la poésie américaine, ça peut place ils avaient ça quand elle a écrit les poèmes que les hommes apostrophent les femmes, et que les hommes masculins n'avaient pas vraiment assez. Peut-être c'est quelqu'un qui a écrit la même chose est arrivée à l'esprit de la personne américaine. Est-ce que la poésie, c'est la grande réflexion et ce n'est que pour les hommes? Est-ce que la poésie a un sexe? Est-ce qu'il faut être homme? Et là, je vous renvoie ça pour une minute pour vous dire ce que vous pensez. Sinon, d'après la question, qu'est-ce qu'on vous pose à la poète? C'est très interactif, donc je pense qu'il faut réagir. Moi, j'ai acheté un peu de réagir, ça va aller vite. C'est une manière
C'est juste des réflexions. Merci.
Entonces, dice, pues, trabajar. Se muita vez a gente imagina que é uma coisa que é energia eterna. Voilà, então, fixa. Thank you.
así cuando ya
Y así es la que
si vous êtes gazelle, vous devez être gazelle et vous devez parler en amont. Moi, je suis comme ça. Donc, c'est de l'observation et de la créativité. Et si c'est une citation, on va voir un autre. Cet exercice que nous allons faire, il y a des interlocuteurs, il y a des gens à qui nous parlons forcément en position que nous devons nous comme ça va se parler entièrement. Alors, je vais utiliser deux de ces. Yeah.
Tu es sombre. Tu es haïssable. Tu envoies soi et fais des orations. Tu poses les dépasses dans les cœurs. Merci, merci. Thank you.
chaque fois que le boulot paraît à la borne, à la fin du chaque ligne, est-ce que nous avons on peut faire la même chose avec la montre, mais je sais que si on fait ça avec la montre, parce que c'est bon, on peut faire la même chose. Lorsque je dis si à la montre, lorsque nous parlons à la montre, on fait bête, c'est moi. Vous faites parler à une personne qui tu pourrais devenir. Et cette personne entre en contact avec un partenaire. Et vous savez que vous ne vouliez pas. Est-ce que vous parlez à la boue? Donc voilà, vous pouvez aussi dans votre chaîne d'écriture chercher des interlocuteurs qui imposent la position. Gracias.
de parte da sexta banda, não está ali sozinho. Quel est le positif de joie, tristesse, dans les premiers tristesse sur la septième dernière nuit. Donc on voit en haut, on voit en bas la tristesse. Ce que vous avez choisi pour laisser ça proposer. Qu'après lui, vous allez écrire des petites phrases. Une qui s'adresse au nom que vous avez cru depuis et une à la fin. Je vous donne un exemple. Sur la quatrième ligne, puisque moi j'ai choisi joie, j'écrirai tu es tout ce que. Sur la deuxième ligne, j'écrirai tu es tout ce que je déteste. C'est bon? Tu es tout ce que je déteste, ça s'adresse à la tristesse. Ok? C'est bon? Je peux continuer? Ou bien tu veux être au maintenant, on va retourner à la deuxième ligne. Trouvez deux adjectifs qui décrivent, deux adjectifs qui qualifient le premier nom que vous avez donné. C'est bon? C'est pas si bien. Sur la troisième ligne, vous allez écrire trois verbes, mais au participe. Le gérondin. Qui va écrire le premier nom? Par exemple, moi j'ai une joie de faire des chantants dans sans raison. Ok? Ça c'est pas bon. C'est la troisième ligne. C'est bon? Sur la ligne 5, écrivez trois verbes pour participer au début de la ligne. S'il y a des difficultés, on s'est rapproché. C'est bon?
porque si se monta el trabajo, tu apportes
toujours la joie que la mort fait à la seconde. Thank you.